Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette clé générale. Donc c'est la colonne générale de votre guidance, de votre grande guidance de novembre 2022, donc postée la semaine dernière qui est reprise. Je suis vraiment pleine de gratitude pour votre générosité, votre présence, vos messages auxquels je réponds avec grand plaisir. Ce sont des échanges, presque un chat. C'est vraiment super agréable. Cette clé donc générale qui donc reprend ce qui la carte principale de Gaïa, et on va essayer de d'être plus précis. Et puis surtout, elle a une colonne en plus qui est la colonne beaucoup plus prédictive sur les mois prochains, jamais au-delà de 3 mois avec moi, puisque je suis en voyance connectée avec vous. Alors, qu'est-ce que Gaïa vous avait donné comme carte? Cette très jolie carte du 7 de feu. Alors déjà, le 7, c'est l'alchimie. Hein, c'est l'alchimie des éléments qui permettent de transformer le plomb en or. C'est une carte de feu, donc de puissance, d'action. Avec ici, vous voyez un œil, un troisième œil très grand ouvert. Vous avez des liens, un serpent là qui commence à se défaire. Et vous avez surtout, surtout cette fleur de lotus qui naît. Donc, rappelons-nous que la fleur de lotus, elle a plein de racines, mais chaque racine fait qu'une fleur. Vous êtes une nouvelle fleur en puissance. Quelque chose de totalement nouveau et non pas de renouveau, et c'est ça qui était intéressant dans votre guidance. Une belle transformation, un papillon qui prend son envol, vous avez eu quand même la totale. D'où vous venez, amis Gémeaux, pour avoir cette faculté de transformer la boue en fleur de lotus, hein. La fleur de lotus naît d'éléments qui sont pas terribles. Vous venez du fou. Donc vous êtes ici dans le feu de l'action. Et le fou, vous avez décidé de vous lancer. Ne pas oublier que le fou, c'est à double tranchant. Alors déjà se lancer, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, déjà on se pose la question. Le fou, il est souvent représenté comme étant le numéro zéro, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment dans une situation d'avancée. Là, dans le passé, vous avez pris votre décision, et votre décision est prise, vous enlevez vos liens ici, et vous faites une peau neuve, et vous faites nouvelle fleur. Vers quoi tout ça va vous mener sur ce mois de novembre? On reste ici sur ce mois de novembre avant d'aller plus loin. Vers quoi tout cela vous mène? Vers une force intérieure énorme. Je crois que vous l'avez eu aussi dans votre guidance générale. Vers force et courage, vers un équilibre. J'adore cette carte parce que vous voyez que on ne retrouve pas que la force est toujours représentée comme un personnage qui dompte son lion. Là, on retrouve un reflet, une dualité. Alors, qui n'est pas négative, c'est au contraire que le double, finalement, que vous êtes, hein, vous êtes un signe double, avance, vous avancez ensemble, vous vous reconnectez. Il y a une connexion qui se fait avec votre intérieur, et vous devenez vraiment incontournable dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses et dans surtout, surtout votre façon d'avancer, parce que ne pas oublier ici qu'on est sur du feu et de l'action. Donc, quels sont vos atouts, amis Gémeaux? Elle veut venir, elle vient, je vais peut-être pas en prendre trois.
Votre atout, c'est votre bonne étoile. C'est un sacré atout quand même. J'aimerais avoir la même. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. On guide votre chemin dans la nuit, c'est magnifique. Il y a quand même une action nouveau départ, le 3 de bâton. On est sur, voilà, une décision est prise. Regardez le personnage. Laisse les deux bâtons qui ne l'intéressent plus et il y a un bateau qui vient le chercher pour de nouveaux horizons. Vous êtes maintenant véritablement sur l'action et le démarrage. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous avez les outils pour le faire. Vous êtes en possession des éléments qui vous permettent parfaitement d'avancer. Vous avez non seulement la force intérieure, mais visiblement, vous avez ce qu'il faut. Pour aller de l'avant, pour couper vos liens et pour renaître. Je vais voir, je prendrai peut-être un nouveau tarot pour compléter, juste pour voir exactement le domaine. Parce qu'au niveau vibration, j'ai tous les domaines. J'ai le sentimental, le professionnel et le matériel. Je voudrais quand même. Je vais voir si en contre j'ai la réponse. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de profiter de ce nouveau départ? Le manque, la disette, le manque matériel, le manque financier. Voilà, le 5 de Pentacle est ici à sa place. C'est une carte qui dit que ben, vous avez peur de vous lancer. Pourtant, vous avez force et courage parce que vous avez peur de quitter une situation financière profitable ou alors que vous avez peur de manquer par ce nouveau projet, ce qui est possible aussi. Je vais quand même pas vous laisser comme ça. Vous me connaissez. Il y a quelque chose qui se passe, qui vous propose une nouveauté, peut-être dans le domaine professionnel, mais vous vous dites, ouais, mais j'aimerais bien, mais je peux pas. C'est un peu le message que j'ai là. Huit de Pentacle, donc le domaine, c'est professionnel, c'est financier. Il vous faut encore œuvrer pour avancer, pour trouver la clé et enlever vos liens ici. On est clairement sur des liens plutôt financiers, plutôt matériels et financiers, mais vous avez la force et vous allez vous lancer. Alors, on va voir, ça va être forcément plus intéressant pour vous ici, cette colonne. Avec bien sûr Gaïa. Pour votre futur, hein, donc qui peut aller de quelques semaines à quelques mois, mais jamais plus de 3 mois. Ou alors Gaïa, elle, est plus puissante, vous le savez, et elle peut aller au-delà. Mais bon. Connaissance. Vous allez croquer la pomme. Vous allez prendre connaissance d'une pomme. L'histoire de la pomme, c'est alors la passion amoureuse, mais pas que. C'est, regardez, il fait la lumière, hein, le personnage fait la lumière sur une pomme. Sur le fruit, c'est une pomme qui est très très belle, qui est en or, sur un trésor en fait. Vous allez prendre connaissance qu'il y a un potentiel trésor, alors en vous ou à côté de vous, mais qu'il y a un potentiel ici. C'est vraiment la carte du potentiel, du possible.
Elle voulait venir, elle vient. Reine de coupe, il y a de la bienveillance autour de vous. Je ne ressens pas que ce soit vous qui prenez cette énergie-là. Je vais continuer, je vais voir. Équilibre, justice. Et le roi de Pentacle, super. On a donc notre réponse. Cette disette ici ne va pas durer. Pourquoi elle ne va pas durer? Parce que il y a une personne de cœur ou un événement qui va vous mettre du baume au cœur. Que va faire cette personne ou cet événement? Créer de la justice, créer de l'équilibre. Et cet équilibre va vous donner quoi? La stabilité financière et matérielle. C'est super limpide, c'est super clair. Et Gaïa est impressionnante. Je vous disais, il y a une pomme qui arrive. Et oui, il y a un équilibre financier, il y a une offrande, il y a un événement qui... Et donc, c'est cette pomme qui va vous permettre de mettre fin à cette disette et de pouvoir enlever vos chaînes et avoir nouvelle force. Et nouveau départ, pas oublier que vous avez sorti ici le magicien. Superbe guidance encore pour vous. Que dit la lune? Vous savez que je suis attachée au phénomène lunaire. Ah, il y a un autre signe. Votre action va être testée, va être mise en... va être... vous allez avoir un challenge, en fait, le challenge de briser vos chaînes, et ça va être mis en exergue, ça va être mis en lumière par la Lune. Alors, sur un quart de lune, prochain peut-être quart de lune, vous me direz. Mais c'est pour dire qu'il y a bel et bien une énergie levier hein, pour vous, levier de conscience ou levier d'action qui vient à vous et qui est très important pour que vous compreniez que vos chaînes ici, hein, qui sont visiblement liées à un manque. Matériel hein, ou un manque d'une façon générale, hein, c'est la carte du manque, hein, la carte de la disette, vous empêche effectivement de prendre véritablement votre envol. Pourtant, vous êtes vraiment protégé ici, mais voilà, sur le mois prochain, voire les semaines à venir, il y a quelque chose qui va vraiment permettre que justement le. Ce qui doit arriver, le commitment arrive. Très joli tirage. Encore un peu de patience, me dit-on pour vous. Vos liens sont en train de se délier. Merci infiniment pour votre présence. On se retrouve très vite pour les clés sentimentales. En attendant, prenez bien soin de vous. Vraiment, c'est important. Namasté.